tous très bien. J'essaie de vous cadrer parce que j'ai pris mon trépied. Donc voilà. Oula, je crois que ça va. Donc bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. On est jeudi. Donc j'ai décidé de vous prendre pour vous expliquer un petit peu comment on va se procéder maintenant la chaîne le jeudi et vous présenter les fabuleux produits Texam. Donc maintenant, à partir de maintenant, désolé, j'ai une allergie pour l'instant au pollen qui est horrible. Donc je me chatouille les yeux, je vais me prendre un anti-histaminique. Vous allez me supporter tout l'été comme ça. Donc à partir de maintenant, le lundi, vous aurez dans la soirée le vlog du lundi. Le mardi, vous aurez très tard dans la soirée, enfin dans la soirée vers 18-19 h, le vlog du mardi. Le mercredi, il n'y aura pas de vidéo, sauf exception, si on fait une activité avec les enfants ou des choses ainsi, mais ça, je vous préviendrai à l'avance. Mais sinon, le mercredi, normalement, il n'y aura plus de vidéo, simplement parce que j'ai ma vie de maman avec les quatre enfants, je cours beaucoup. Donc, du coup, il n'y aura pas de vidéo le mercredi. Mais par contre, tous les jeudis, nous aurons une vidéo comme celle-ci, où je vous présenterai les produits que moi j'utilise. Ici, ça sera les produits Texam. Je suis bien clair qu'il y a pour le moment, mais ce n'est pas une collaboration, ce n'est pas un partenariat. Je n'ai rien de la marque Texam pour vous les présenter, rien du tout. C'est vraiment, je le fais parce que j'ai envie de vous partager avec vous les produits que moi j'utilise. Et tous les jeudis, j'essaierai de vous présenter des produits dans des gammes différentes, maquillage. Au niveau de comme j'ai ici pour nettoyer, je vous présenterai aussi ben, les surplus que je prends pour nettoyer. Enfin, voilà, chaque jour, il y aura, chaque jeudi, il y aura évidemment des vidéos comme celle-ci. Donc voilà, ça sera vraiment du blabla et vous présenter les produits que j'utilise, les maquillages, les soins que j'utilise, etc. Vous partagez avec vous, mais il y aura aussi à un moment donné, évidemment, je vais recevoir d'ici 4-5 semaines des colis. Que je reçois par certaines marques ou certaines choses qui, pour le moment, m'envoient et je dois payer juste le frais d'envoi pour le produit, etc. Enfin, voilà. Donc, ici, on va vous présenter le produit Texam. Donc, voilà. Donc, tous les jeudis, ce sera comme ça. Je vous présenterai les produits que moi j'utilise ou les produits avec lesquels j'ai pris l'initiative de faire des demandes de partenariat. Et donc, du coup, ils m'envoient leurs produits. Mais ici, ce n'est pas le cas. C'est vraiment moi qui les achète, qui les commande depuis plus d'un an et je suis folle dingue de ces produits. Donc c'est des produits Texam. Voici le petit fascicule. Enfin voilà le catalogue exactement dans lequel est répertorié tous leurs produits qui sont vendus ici en Belgique parce qu'il y a certaines choses qui sont barrées parce qu'elles ne sont pas produites en Belgique. Je vous donnerai également l'adresse où vous pouvez téléphoner. Ou vous pouvez envoyer un mail si vous voulez avoir des renseignements supplémentaires, ou si vous voulez faire venir quelqu'un chez vous pour faire une démonstration, ou on n'aurait qu'à sonner chez ces personnes-là. Maintenant, je vais vous expliquer tout ça. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est les choses que moi, j'utilise depuis plus d'un an. Et comment dire que c'est une chose que je ne saurais pas me passer, c'est ceci. Voilà, j'en ai acheté, d'ailleurs, j'en ai... je sais pas si je les ai pris tous les deux, ou si on en avait un qui était en cadeau. Donc voilà, j'ai choisi en tout cas ces deux goûts-là. Alors le premier goût, c'est, je vais essayer de vous le montrer comme ça, c'est pain des lentes. C'est le réflexe ménager et j'ai pris le même mais en framboise. Les petites truchettes comme ça, vous pouvez les acheter évidemment séparément parce que vous avez le pot qui est comme ça. Donc du coup, je ne vais pas vous faire partager l'odeur parce que vous ne sauriez pas, mais ça sent vraiment frais. Et comment vous dire que c'est tenace parce que ce matin avec mon torchon, quand je l'ai été chercher ici pour vous faire la vidéo, il sentait encore l'ananas. Vous parlerez de l'ananas après, mais il sentait encore l'ananas. Donc voilà, ça c'est le réflexe ménager. Alors c'est pour un nettoyage. Je vais vous lire ce qui est marqué et puis je vous dirai avec moi en tout cas ce qui est marqué et puis moi pourquoi je l'utilise et sur quoi je l'utilise. Je suis un peu haute. Je vais me mettre plus loin. Voilà. Alors, le réflexe est indispensable pour le nettoyage quotidien des surfaces lavables intérieures et extérieures, fragiles ou protégées, grès, terre cuite, lino, PVC, des surfaces lavables des cuisines, sanitaires, inox, émail, stratifiés, réfrigérateurs et plans de travail. Donc voilà, ça c'est ce qu'eux ils disent, c'est la vérité, puisque moi je l'utilise partout, dans ma cuisine, dans ma salle de bain, sur. Voilà. C'est le truc que je le fais tous les jours matin et tous les jours soir. Ma table, salle à manger et même les meubles stratifiés que j'ai là derrière, ils y passent sans problème.
Voilà, il n'y a aucun souci, même les appuis de fenêtre, je fais vraiment tout le ménage avec. Donc pour le moment, j'utilise celui-ci. Je vais éternuer. Ah. Je suis désolée, je vous dis, je suis allergique au pollen, aux graminées, au foin, etc. Et j'habite juste à côté d'une ferme. Donc voilà. Donc ici, c'est le même en goût framboise. Je vais vous donner le prix parce que pour moi, c'est la chose la plus utile et la plus indispensable qu'il y a dans leur gamme. Simplement pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, elle nettoie tout. Moi, j'utilise pour tout. Elle sent hyper bon. Mais en plus de ça, en plus de ça, ça ne laisse pas de traces. Donc si vous avez les nouvelles cuisines équipées blanches comme chez ma maman, qui brillent mais très très fort, ça ne laisse pas de traces. Ça, c'est super nickel. Donc, je vais vous donner le prix du réflexe ménager. Faut juste que je trouve parce que. Hop là. Hop, hop. Je cherche dans le catalogue. Donc, il faut que je regarde où il est parce que je ne connais pas le catalogue par cœur. Voilà. Donc, le réflexe ménager, le voici. Donc, comme vous le voyez, c'est le même que moi. Alors, le réflexe ménager existe au pain des Landes, c'est celui que j'ai ici, au citron vert, à l'orangerie. Donc voilà, pour le moment en tout cas, il n'y avait plus visiblement. Moi j'ai eu framboise aussi, cœur de framboise. Il y avait bonbon violette et pomme golden, mais pour le moment visiblement, il n'était pas de stock. Donc, le réflexe ménager en 500 ml, moi je le prends toujours en 500 ml, donc celui d'Oncy, est à 6,45 €. Donc voilà. Donc moi je l'utilise régulièrement, c'est-à-dire tous les jours. Et je vais vous dire le prix des spritchettes parce que je pense que dans la fin du catalogue, les spritchettes sont vendus. Voilà. Les spritchettes ici, c'est. Tête de pulvérateur, voilà. Ah mon Dieu, qui parle bien. C'est 80 cents. Donc voilà, il y a transparent, jaune, orange, rose, rouge, vert et bleu. Donc voilà. Et donc ça s'adapte au pot de réflexe ménager. Donc voilà, ça c'est le premier produit. Donc c'est 6,45 € pour les 750 ml. Et c'est 80 cents pour les petites spritchettes. Moi j'ai la bleue. Les petits presets, comme s'il faudrait que je rachète d'ailleurs des autres couleurs. Ensuite, la deuxième chose que moi je trouve indispensable, c'est ceci. C'est le lait odeur. C'est un nettoyant pour le sol. Évidemment, j'ai pris pain des Landes pour aller avec le réflexe ménager. Alors, eux qui disent, hein, je vais vous lire ce qu'ils disent, nettoyant multisol, toute surface lavable. Oui, voilà, effectivement, moi j'ai des vieux carrelages pourris ici. Il fonctionne très bien sur mes vieux carrelages tout pourris. Donc voilà, moi j'ai pris pain des Landes. Alors il faut savoir que c'est dans de l'eau c'est dans de l'eau tiède ou même dans de l'eau froide. Il faut se dire que il ne faut pas mettre plus que ceci. Un bouchon pour 5 litres. C'est très bien ainsi. Ça sent le frais. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, je vais l'utiliser aujourd'hui d'ailleurs, lui. Et le deuxième goût, c'est celui que j'ai reçu, je pense, en cadeau, parce que pour tranche de 35 €, vous avez droit à des cadeaux. Moi, j'avais pris ananas. Et celui-là, mon frère a dit qu'il sentait le bubble gum. Et c'est vrai que quand on le sent, même mon mari m'a dit, c'est bubble gum. J'ai dit, ben non, c'est ananas. Donc voilà. Ils ont vraiment des goûts bien spécifiques. Alors, le net odeur, il est à. Hop. Le net odeur, il y a citron vert, lavande, fruits rouges, muguet, orchidée, violette, ambiance, fraise, framboise, pin des Vosges, ananas et monoï. Moi personnellement, j'ai utilisé les trois, pin des Vosges, ananas et monoï. Sans souci, ils sentent bon tous les trois. Maintenant, j'ai pas encore essayé les autres, il faudra que j'essaye d'autres goûts, mais en tout cas, ils sentaient très très bon. Moi, je prends un bidon d'un litre, parce que il y a le 5 litres, mais alors
Voilà, moi je me dis ça avec l'état vide dans le seau, c'est un peu complexe. Donc je prends toujours ceci, c'est ceux d'un litre et je les paye 10,60 €. Mais voilà, je vous dis, vous mettez un bouchon dans 5 litres d'eau et c'est réglé. Maintenant, j'ai jamais pris le 5 litres qui est à 46,95 €. J'ai jamais pris 5 litres. Il faudrait que je regarde une fois. Le 5 litres, visiblement, il se présente comme le bidon, comme ceci. Et vous avez aussi la pompe. Ça, il faudrait que je demande à la voir, cette fameuse pompe. Donc voilà. Qui vous poussait dessus, en fait. Et vous avez tout de suite la bonne dose, à mon avis. Donc voilà, je vais regarder le bouchon doseur. Tiens. Donc le flacon d'un litre est à 10,60 €. Donc ça, c'est le nettoyant pour le sol. Ensuite, le truc que j'utilise tout le temps aussi, c'est lui. D'ailleurs, il est déjà bien entamé. C'est un produit qui Turbo WC Plus. C'est un désherbant pour les WC. Alors, il marche super bien parce que moi j'ai des traces brunes dans les WC. C'est des WC de location. Donc voilà. Hein, la maison étant de location, évidemment, les WC sont fournis avec. Soit. Donc voilà. Le Texam ici, donc c'est moi je le mets. Je le laisse agir quelques minutes et puis je frotte. Je vais vous parler de la chose avec laquelle je frotte 5, dans 5 minutes. Mais là, je vous donne le prix du détartrant WC. Donc, c'est celui-ci. Le détartrant WC, lui, est à 10,95 € pour le bidon d'un litre. Je prends toujours que du 1 litre. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, eux? Liquide moussant, incolore pour le détartrage, le nettoyage, la désodorisation des parois internes des cuvettes des WC. Tout à fait. Voilà, quand vous le mettez, vous n'êtes pas en train de mourir non plus. Hein? Il rend les cuvettes bien blanches. Ce qui est important, il est marqué là en dessous, il est sans danger pour les fosses septiques. Et ça, c'est très très important. Parce qu'une fosse septique, merci, quand ça déconne, c'est l'horreur. Vous êtes dans le caca. Donc voilà. Alors il y a l'autre gel, mais je ne l'ai pas encore utilisé. C'est un entretien journalier. Il faudra que je le teste. Et ça, je vous en parlerai quand j'aurai testé. Donc voilà, ensuite je vais vous montrer avec quoi évidemment. Donc j'ai pris de la nouvelle parce que j'en ai une que j'utilise déjà depuis 5-6 mois dans mon WC en bas, mais je n'allais pas vous montrer non plus la brosse de mes chiottes non plus. Donc j'ai pris la nouvelle qui n'a pas encore été utilisée. Ça s'appelle ceci est la Caddie Vadrouille, ceci est la Vadrouille. Donc je vais l'ouvrir, vous aurez plus facile de le voir. Il y a une petite poignée pour le transporter partout. Et donc, vous mettez cette petite brossette-ci dans le petit vidrio, comme ça il tient. Voilà. Et vous pouvez évidemment mettre votre gel comme ceci. Comme ça, tout est rangé directement à côté de votre WC. Et si vous n'en achetez qu'un, parce que moi j'en ai acheté un, je baladais, mais je suis sur deux étages, donc j'ai acheté un deuxième. Ça donne ceci. Voilà. Alors, cette petite chose-ci. Il s'ouvre, mais vraiment comme une fleur, comme ça. Vous comprenez pourquoi j'ai pas pris celui que j'utilisais. Donc il s'ouvre comme ça, et vous le mettez évidemment dans votre cuvette et vous tournez. Comme ça, et ça fait de la mousse et ça frotte vraiment. Ça passe vraiment en dessous des bords correctement. Ça n'éjecte pas comme les brosses normales qui éjectent l'eau partout autour d'elles. Et alors, moi je le tiens au-dessus du WC, je fais. Comme ça bien fort et ça évidemment tord directement dans les WC. Vous tirez la mélangez chasse. fortement pour obtenir une mousse abondante et répartir même sous les rebords de la cuvette. Donc c'est ce que je vous disais, vraiment bien au-dessus du tire-bord, hein, le tire-bord de merde là, que quand vous allez avec votre brosse, ça éjecte tout et que c'est très agréable. Elle est à 4,50 € et le caddie vadrouille, donc c'est le petit truc que vous voyez ici en plastique avec la poignée, est à 5,95 €. Et donc du coup, vous pouvez mettre votre petit liquide. Et la petite brossette à côté de votre WC, ça fait voilà, ça fait tout de suite bien propre, bien rangé, ça ne traîne pas partout. Ensuite, ceci, je l'ai utilisé, ma maman l'a utilisé, les enfants l'ont utilisé, tout le monde l'a utilisé. Ça sent la violette. Donc à la base, je devais prendre bonbon que j'avais demandé, il n'y avait plus. Donc merci à ma chérie, c'est bien. C'est un pur bonheur, ça. Ça sent le bonbon violette, quoi.
le bonbon violette, le bonbon de violette que vous mangez, et ça sent ça, quoi. Et l'odeur reste, hein. Parce que là, ça fait 3 jours que j'en ai mis. On en a mis dans les chambres des enfants, on en a mis dans la cuisine, on en a mis dans la voiture, on en a mis dans la cuisine chez maman, parce que je les ai reçus chez maman. Enfin, voilà. Et honnêtement, l'odeur après, peut-être que l'odeur de violette va partir, évidemment, au bout de 2, 3 jours, mais en tout cas, l'odeur de frais dans votre maison, lui, il reste. Et donc, du coup, moi qui ai des petits animaux, qui ai des enfants et qui ai un monsieur qui fume, etc., voilà quoi. Ça, c'est le bonheur. Alors, je vais vous donner le prix et vous dire aussi combien ça coûte, et surtout que je ne me trompe pas, parce qu'il y en a plusieurs, c'est le destructeur d'odeur, celui-là. Donc voilà, voilà, c'est lui. Donc le destructeur d'odeur, le voici, il est dans leur. Voilà. Alors, la concentration en matière neutralisante et la rémanence de son parfum font de ce destructeur un produit exceptionnel. Il détruit les mauvaises odeurs telles que odeur de tabac, de WC, de cuisine, des niches au panier des animaux. Exactement. Une pression d'une seconde suffit. Donc, moi, j'ai un peu exagéré parce que j'ai fait tchit. Donc, je vais réduire. Voilà. C'est tchik. D'accord? Je vais le faire pour vous. Et c'est pour vous faire plaisir que je le fais. Hein. Parce que, franchement, c'est une torture pour moi. Donc, c'est pour vous faire plaisir. Donc, vous voyez, c'est super puissant et ça va très vite. Donc, une petite seconde. Comme ça. François. Sur la violette chinoise. Donc, du coup, ça sent super bon. Donc, voilà. Et pour couvrir 60 mètres carrés ou taper 3 à 4 fois rapidement sur la buse avec le poing. Sans danger pour les textiles, cette senteur sont disponibles en aérosol et géant. Donc, ils sont géants, ils font 750 ml. Moi, je dis que pour une pièce comme j'ai ici, qui est, comme vous le savez, très grande, voilà. Une spritchette au plafond doit suffire par pièce. 60 mètres carrés, c'est quand même de belles pièces. Donc, du coup, ils ont orange, mandarine, passion, verveine, citronnée, menthol, bonbon, monoï, cerise. Et une ou deux fois par an, ils ont des éditions limitées. Donc, à mon avis, si c'était une édition limitée de violette. Donc, voilà. Alors, la bombe fait 16,50 €, mais vous doutez bien que. Avec une bombe pareille, je pense que vous allez quelque temps. Parce que 750 millilitres en donnant une fois dans votre pièce, c'est déjà pas mal du tout. Donc ça, je l'adore. Et moi, j'avais pris aussi, mais ça, c'était dans mes anciennes commandes, celui-ci. Ça, je peux vous en parler aussi parce que je l'ai utilisé. Le surodorant. J'avais pris Monoï, je pense. Je ne sais plus. Citron vert, citron vert. Il sentait super, super, super bon. Monoï, c'était le nettoyant que j'avais pris, Monoï, comme ça. Ça aussi, le surodorant, un petit coup de spray, moi j'en avais mis sur mes lits, sur les lits des enfants, les tentures, des choses ainsi. Ça donne une petite odeur et lui, il est à 9,10 €. Donc voilà. Et le voici. Mais nous, évidemment, aujourd'hui, je vous ai montré celui-ci, qui donc le tout grand, celui-ci. Est à 16,50 €. Je vous mettrai évidemment en incrustation les prix et avec les goûts qu'il y a à chaque fois. Et ensuite, j'ai utilisé ceci. Comme vous voyez, il a dû être utilisé. Il est utilisé cette semaine. Il était emballé dans ce paquet ici. Donc voilà, serpillière microfibre. Convient parfaitement pour le nettoyage de tout type de sol. Il faut savoir que chez Texam, leurs produits et leur matériel va sur tous les types de sol, tous, sans exception, même les pierres bleues, la terre cuite, tout. Il n'y a aucun souci, le marbre, le linéon, le parquet, enfin, ils vont sur tout. Il a, oui, absorbant, ça c'est sûr et certain. Je l'ai utilisé, il sent toujours l'ananas d'ailleurs, il sent toujours bon. Et oui, franchement, il ne laisse pas de traces, il est vraiment bien. Donc voilà. Ici, évidemment, je ne vais pas vous montrer parce que les enfants sont passés hier, il y a à nouveau du truc par terre, donc voilà. Mais il est nickel, nickel, nickel. Ici, il ne pleuviche pas, ça c'est vrai aussi. Et il fait 50 sur 60. Donc voilà, ça c'est la serpillière, donc la voici. Je vous montre ma serpillière qui a été utilisée. Ouh. Donc voilà.
Il y a une petite étiquette, hein, donc vous voyez. Et donc, c'est ici, Herpillière, Elfie. Je fais de nouveau chercher parce que j'avais été très vite. Voilà, Serpillière, elle est à 11,95 €. La voici. Donc, vous voyez qu'il y a d'autres matériels. Hein. Donc, je ne vous en parle pas simplement parce que ben, je ne les ai pas utilisés, mais évidemment, plein d'autres choses. Mais je ne les ai pas encore utilisés. Donc, quand je les aurai au fur et à mesure, je vais les prendre, puis j'utiliserai, puis je vous dirai quoi. Du coup. Ensuite, j'ai utilisé, et ça il a dû être utilisé ceci. Comme vous voyez, il a bien été utilisé il y a peine longtemps. Donc il était emballé là-dedans. Donc il y a deux éponges. Il y a le côté gratte et le côté microfibre. Alors c'est une éponge microfibre spéciale pour la cuisine. Elle est idéale pour le nettoyage de toutes ces surfaces présentes dans la cuisine et la vaisselle. Sa double face vous permet de récurer sans griffer, laver, essuyer et sécher même les plaques de cuisson, vitrocéramique et induction. Donc, comme je vous le dis, leurs produits sont efficaces sur tout et sont utilisés pour tout. Cette petite microfibre ici, moi je l'utilise pour mes plans de travail, pour ma table de manger quand les enfants ont mangé leurs 4 heures, leur dîner, leur souper, enfin, dès que les enfants sont passés, quoi. Et je l'ai utilisé ce côté-ci pour ma vaisselle, pour les casseroles, etc. J'en suis très contente. Ça fait une semaine que j'utilise, par contre, ça fait pas longtemps que j'utilise, mais j'en suis très très contente. Et donc, je recherche les épluches, parce qu'à chaque fois, je dois chercher dans les produits, parce que je ne connais pas le catalogue complètement par cœur. Voilà, la voici. Donc je vous prouve qu'elle est là dans le truc. Alors, elle est à 6,80 €. Donc voilà, mais il faut vous dire que ce genre d'éponge-là, vous allez aller balèzement longtemps avec. Hein, parce que honnêtement, vous pouvez la mettre à la machine à laver, etc. Enfin, je pense qu'on peut la mettre à la machine à laver jusqu'à 60 degrés. Voilà. Et il peut aller au sèche-linge aussi. Voilà. Jusqu'à 60 degrés. Je ne vous ai pas dit pour la serpillière. Je vais regarder juste pour la serpillière. C'est la même chose. Voilà, la serpillière, elle peut aller jusqu'à 60 degrés. Et elle peut aller, comme il y a un petit sigle ici, dans le sèche-linge. Donc, assez facile aussi pour nettoyer quand vous décidez de mettre. Ça marche hyper bien. Et alors, la dernière chose, je vais juste vous la présenter. Je vous en reparlerai. Je la fourguerai dans mes produits finis parce que je suis en train de préparer une vidéo produits finis. Je vous la fourguerai dans une de mes produits finis. Voilà, ça je l'ai reçu en cadeau. Enfin, je pouvais le choisir un deuxième cadeau parce que j'étais à 80 € de commande. Donc je pouvais choisir deux cadeaux. Et ça, c'est le deuxième cadeau que j'ai eu. J'ai choisi un désinfectant, bactéricide, dégraissant et nettoyant pour, ben, comme vous voyez, pour le réfrigérateur. Je n'ai pas encore ressenti. Écoutez, il n'y a pas d'odeur spéciale, donc c'est clair qu'à mon avis, à l'heure où on parle de plus en plus de la listeria et de la désinfection, c'est le produit permettant une désinfection parfaite de votre réfrigérateur. Vider complètement le réfrigérateur, vaporiser toutes les parties, laisser agir 15 minutes, rincer et essuyer. Donc j'utiliserai mon spritch-spritch, il faudrait que je vois si le spritch-spritch va dessus. Voilà, toi. Je vais déconnecter le spritch-spritch de ma framboise. Je vais spritcher. Je suis en train de spritcher la fin de ma framboise pour ne pas qu'il y en ait dans le tuyau. Voilà. Je spritche sur mon éponge. Et hop. Ah ben voilà. Elle va dessus. Donc les spritz-spritz sont vraiment universels chez eux. Donc voilà. Je vais pouvoir faire mon réfrigérateur. Je le fais aujourd'hui de toute façon. Et je vous parlerai de ce petit produit tout à l'heure, à mon avis. Je vais faire ça. À mon aise, vider mon frigo, le faire à fond et je vous dirai ce que j'en pense. Alors, je l'ai reçu en cadeau, mais je vais quand même vous donner le prix hein, parce que je suppose que je dois avoir le prix de ce machin. Moi, je l'ai reçu en cadeau parce que j'avais, comme je vous l'ai dit, commandé. C'est par tranche de 35 € d'achat que vous avez les cadeaux. Donc, du coup, hop, ça doit être quelque part ici. Je cherche le prix du.
Du désodorisant, du chuchu, chuchu, chuchu. Il y a vraiment, moi je vous dis, il y a vraiment de tout. C'est assez complet comme gamme. Je vous parlerai sûrement encore, hein, parce que ben, je vais sûrement retourner à une démo. Je suis en train de chercher le prix du produit pour le réfrigérateur. Donc voilà, 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 voilà. Je ne trouve pas du coup. Si je ne trouve pas le prix, il va falloir que je le mette en incrustation quand j'aurai le temps de chercher. Oui. Donc, si je ne le trouve pas tout de suite, je fais le tour vite fait. Si je ne le trouve pas, je vous le mettrai en incrustation. À part si je le trouve ici. À part si je le trouve ici. J'essaie de chercher. Hein. Non, non. Je ne le trouve pas non plus ici. Je vous mettrai ça quand j'aurai trouvé, parce que là, je ne le trouve pas du tout. Donc voilà, je vous le mettrai en incrustation. Et je vous dirai tout à l'heure si ça a fonctionné ou pas. Donc voilà, ça fait déjà 26 minutes que je tourne, donc je vais vous laisser. On se retrouve tout à l'heure. Hey, je reprends, je suis dans mes WC. Rassurez-vous, je ne fais pas pipi, je ne suis pas aux toilettes, hein, je suis au croque-pied, tout va bien. Mais j'ai décidé de vous prendre avec moi pour vous montrer un petit peu donc comment est-ce que je nettoie avec ceci et mon ancienne brosse vadrouille. Donc voilà, je vais vous montrer. Je vais vous prendre, hop, hop là, on a tout ce qu'on a, c'est un WC tout à fait classique, c'est un WC quoi, dans lequel il y a des enfants qui font pipi et caca. Donc voilà, donc du coup, j'ouvre le petit comme ça, je vais vous mettre face en hauteur, et voilà, j'asperge comme ceci avec le produit. Ensuite, je prends la brosse. Je vais l'appuyer comme ça pour voir facile à l'ouvrir parce que je n'ai qu'une main. Donc voilà, je mets au fond et je fais comme ça. Voilà, pour bien faire mousser le produit. Comme vous voyez, le produit mousse très très vite. Et donc la brosse, comme vous le voyez, commence à gonfler. Et vous voyez, il y avait une petite tache qui était ici. Ça passe vraiment bien en dessous. Vous voyez la petite tache ici qu'il y avait là au début, elle n'y est plus. Voilà, ça décolle tout ce qui est sec, tout. Donc voilà, moi je fais ça une fois par semaine. Je passe celui-là, le reste du temps, je mets un petit produit d'entretien. Comme vous le voyez, ça a bien moussé. Donc hop, et voilà, vous. Simplement, et puis vous le remettez dans la petite vadrouille qui est à côté. Hop! Voilà! Et puis, toute la sauce. Et vous avez un WC parfaitement, parfaitement blanc. Donc voilà, vous aurez vu mes WC. Hop, on ferme la lumière. Donc voilà. Je suis à mon trépied. Donc voilà, vous aurez vu ça. Donc maintenant, je vous embarque vers mon frigo. Parce que j'ai mis donc le fameux produit, comme je vous avais dit. Je les ai simplement mis sur le bas du frigo parce que mes grilles sont propres, moi. C'est vraiment le bas du frigo qui est crabouille. Et les bacs, etc. Donc je vous rattache à mon trépied. Si j'y arrive, voilà. Hop. Trépied qui se. Vous voyez l'intérieur de mon frigo, c'est chouette, hein? Je vous serre un petit peu. Donc voilà. Donc, j'arrive, j'arrive. J'ai pris ceci. Voilà le descripteur. J'ai pris le petit éponge Texam qui va avec. J'ai mis du produit sur le bas. Je vais vous descendre un petit peu parce que le trépied est un peu haut pour vous montrer ça. Et je pense que je vais vous
pense que je vais vous descendre sur le mieux. Voilà, vous descendez tout doucement. Voilà. Hop. Donc, comment est-ce qu'on va finir? Parce que mon frigo est très bas. Donc, je vais vous prendre en main, je vais le faire. Donc voilà, je vous reprends. C'était un peu compliqué pour le frigo. Donc voilà, je vais vous le montrer maintenant. Ça sera plus simple. Donc j'ai fait le bas du frigo qui était, ma foi, très très crade. Il y avait des grosses taches brunes. Donc voilà. Et donc j'ai fait ici tout ce passage aussi qui était tout crade. Et comme vous voyez, c'est un vieux frigo. Et donc il est redevenu tout blanc. Donc voilà, voilà, ça marche super bien. J'ai utilisé simplement le petit éponge que je vous ai montré là, de chez Sam. Et donc il n'y a aucun souci. C'est bien. Donc voilà, vous aurez le nettoyage complet du WC. Quant au frigo, c'était un peu compliqué. Il faudra que. Voilà, faudra que je fasse autrement un jour. Mais bon, le frigo, c'est compliqué à vous montrer. Mais en tout cas, je confirme de toute manière que ce produit fonctionne nickelement bien. Donc voilà, je vais vous remettre sur le... Ah. Voilà, je vous raccroche un petit peu parce que... Donc voilà, je vous reprends. Donc pour le frigo, vous aurez vu, hein, c'était assez compliqué de vous montrer parce qu'avec une main, je ne ferais pas. Le WC, ça allait encore, le frigo, c'était un peu compliqué. Donc de toute façon, je l'ai essayé. Ça sent frais et toutes les grosses taches, etc. partent. J'ai utilisé l'éponge verte que je vous ai montré en début. Alors pour les contacter, je vais de toute façon vous donner le numéro de téléphone Belgique et l'adresse mail donc Belgique. Vous pouvez aussi aller sur Facebook et sur Instagram pour rechercher des renseignements, pour faire des démonstrations chez vous, etc. Donc vous voyez un petit peu. Vous pouvez également me demander si je sais vous répondre à vos questions. Si je ne sais pas, je demanderai à la personne qui me vend les produits. Donc ici, c'est le catalogue 2018-2019, donc c'est le catalogue qui vient de sortir. Mais normalement, si vous tapez Texam sur les réseaux sociaux, vous trouverez facilement des renseignements. Je vais quand même vous mettre en barre d'infos l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse mail de la Belgique. Donc voilà, il y a... Je vais vous mettre les prix également des produits que moi j'avais ici. Voilà, il y a énormément d'autres produits. Donc vous pouvez aussi voilà, faire une demande pour avoir ce catalogue. Et vous pouvez aussi faire une démonstration chez vous. Ça c'est à voir évidemment avec téléphoner au numéro que je vais mettre. Ou envoyer un mail, etc. si vous êtes intéressé. Parce qu'évidemment moi je ne vends pas les produits. Je ne suis pas conseillère Texam. Je ne suis pas non plus une vendeuse Texam, rien du tout. Je fais ça pour le plaisir. Maintenant si... quelqu'un de Texam me contacterait, peut-être qu'il y aurait moyen de trouver un arrangement, mais en tout cas pour l'instant c'est vraiment mon truc personnel. D'ailleurs je vais vous cacher le nom, mais là à l'arrière, voilà, là, à l'arrière que je cache, il y a le nom de la personne, mais je ne vais pas vous le montrer parce qu'elle ne peut pas être contactée par tout le monde. Mais donc voilà, ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous plaît. C'est un nouveau concept, donc de tous les jeudis on essaiera de faire des vidéos comme celle-ci, sur des produits pour le corps, pour les cheveux, sur du maquillage, sur ce que j'utilise aussi pour tout ce qui est habits, etc. Voilà, je trouve que chaque fois, j'essaierai de vous trouver un thème pour vous parler de mes lessives, de mes adoucissants, etc., mais en plus grand, en plus longue durée, comment est-ce que je nettoie aussi ma machine à laver, avec quel produit, etc. Enfin, voilà. Donc tous les jeudis, il y aura ce genre de vidéo qui tournera. Et sinon, si vous avez des thèmes que vous voulez aborder le jeudi, ben, vous pouvez toujours me les demander. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, aujourd'hui, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur Texam. J'essaierai de vous répondre. Si je ne sais pas vous répondre, je parlerai avec la personne que je connais, qui est ma cousine. Voilà, soit que... qui saura peut-être répondre à la question, je pourrai peut-être vous répondre. Donc voilà, je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. Donc moi, je vais vous laisser parce que je vais devoir nettoyer, je vais devoir faire plein de petites choses. Donc je vais vous laisser, je vais vous dire à demain pour notre daily vlog habituel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Là-bas.
Mettez les pouces, les pouces, les pouces, les pouces, les pouces, c'est très très important, les pouces. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. De tous, c'est sur la petite cloche de notification, comme ça vous serez averti directement de mes vidéos, d'aller voir toutes les autres vidéos et également de me retrouver sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. Et donc, je vous fais, comme d'hab, plein de bisous qui vont apparaître ici. Je vous fais à demain. Bye!